pour tout vous dire, ce matin, je me disais qu'avec un vieux boomer comme moi, pour être nostalgique en apprenant la mort d'Anita Pointer, la dernière des Pointer Sisters. Et puis je suis arrivé au bureau et Christian Desplaces, l'un de nos rédacteurs en chef, m'a interpellé du haut de ses 50 et quelques années en fredonnant Slow Hand, chanson très très érotique. Et quand Myrtille Serre est arrivée, elle m'a dit qu'à Marseille, on dansait encore sur Jump for My Love au dernier réveillon. Alors ce soir, Michel, hommage aux Pointer Sisters. I want you, chantait Babette. Évidemment, cette chanson avec ses élans, premier, deuxième, troisième degré, est iconique. Mais la mort d'Anita Pointer, emportée par un cancer il y a trois jours, à 74 ans, c'est la fin d'un style de groupe de chanteuses noires américaines qui n'ont pas eu vraiment de descendantes. Leur père était pasteur, comme ça se faisait beaucoup à l'époque pour des tas de chanteuses qui découvraient le gospel et puis qui ensuite devenaient vedettes de pop ou de rock ou de rhythm and blues. Deux des sœurs Pointer, Bonnie et June, se sont lancées en duo. Et puis Anita a décidé de ne plus être secrétaire dans un cabinet d'avocat, elle a rejoint ses frangines et à partir des années 70, elles ont enchaîné les tubes. La vacheline. Elles composent, elles sont spectaculaires, sans trop de provocation. Elles sont gospel, pop, jazzy, très rhythm and blues. Elles n'hésitent pas à faire des reprises, comme en 78, où elles reprennent un titre de Bruce Springsteen, qui n'est pas encore le boss, mais qui commence à avoir de plus en plus de succès. Son titre Fire les propulse en haut des charts. Elles sont souvent assez gonflées, notamment dans Slow Hand, la chanson de Christian Desplaces, où la revendication de celle qui s'exprime, c'est que dans une love affair, et notamment dans les rapports charnels, le partenaire soit prié de prendre son temps, dans la douceur, l'attention, le plaisir qui prend ses aises. Anita Pointer s'était arrêtée la dernière en 2015. Depuis, elle s'occupait de sa petite fille parce qu'elle avait perdu sa fille Jade, emportée elle aussi par un cancer en 2003. Les Pointer Sisters ont été le premier groupe de Noirs à être reçu à Nashville chez les rois du country. Elles ont leur étoile sur les pavés d'Hollywood et on les entendra encore longtemps chanter cet hymne à la liberté. Bye bye, Anita. Et on en a marre que ça aille trop vite.